état de situation de cité noire, pays noir, qui est archi grave. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas au courant de certaines choses. Ou du moins, ça, demain nous, ou bien présent nous avec demain nous qui projeter, les révéler pendant que nous prenons la rue. Alors, nous avons parlé que nous avons une situation, côté que nous venons un gouvernement qui quitte tout ça qui est pour avec les normes, un gouvernement d'anomie, un pouvoir d'abus. Donc, pour pouvoir arbitraire, si nous permettons une expression. Et c'est pas forgé, ma forgé, c'est qu'il existe. Parce que l'État, ça nous gagne là. Gouvernement, ça pouvoir PHTK, c'est un pouvoir fédérateur des gangs armés. Nous disons pouvoir, c'est un fédérateur des gangs armés. Tout gang désormais est censé synchroniser pour être capable d'exécuter les œuvres basses de ce gouvernement. Et qu'on a utilisé intimidation, tant que le ministre ici, ça t'a fait, pour être capable d'intimider les gens. Et puis, ils ont même agi sur le terrain. Là, nous prenons par exemple, d'après le moniteur qui se tient date du 7 janvier 2020, qui montre nous et une société, une factory qui a une personne qui est liée à Palais National, chef Palais National, et qui est seul, c'est lui-même qui directrice factory, ça pour capable fabriquer des munitions et de tout calibre. De tout calibre. Ça veut dire que vous avez besoin de acheter là-bas encore. Il y a une capacité pour capable produire dans le pays, à faire une factory, pas ici. Ou bien rassembler. Or, qui est-ce qui gagne, qui institution qui gagne une prérogative ça? C'est l'armée d'Haïti qui constitution en bail. Prérogative ça à travers l'article 268.3 de la constitution. Eh bien, pour voyons dans le Moïse là, qui ça nous constate? Les gangs s'appellent la prolifération des gangs armés. Désormais, gangs armés, ou pas seulement dans la zone de mon capital là, dans toute ville province, ou pas qu'à lever pour traverser le département de la Tibonite là comme ça. Ou pas qu'à lever pour traverser le département de la Tibonite comme ça. À part au fait de quitter Matissan, mais en même temps, ce n'est pas seulement dans le département où l'histoire de gangs les points et même mode. Et d'ailleurs, c'était dans la semaine, dans le commencement de la semaine, nous avons assisté son pouvoir qui est tellement livré dans l'abus. Il a incendié un quartier en entier, il a dit au quartier Chadade. Par contre, si on peut dire ça, quartier Chadade. Et nous constatons tout son gouvernement qui, là nous dit, il fonctionnait de mèche avec gangs armés. Nous constatons que le ministre qui a fait. T'as pu remonter nos conférences de presse et puis pendant la pu remonter à mon chef de gang qui réunit dans l'autre côté parallèlement qui a bâillé une conférence tout qui a metté une organisation pour fédérer les gangs armés pour un pied efficace. Donc à part de toute gaffe administrative, gaffe financière que le gouvernement ça lui commet, qu'on y a lui rentré dans des actes côté que la fédérer des gangs armés pour capable plus efficace pour marcher assassiner monde plus facile dans pays. C'est ça n'a parlé de la je dis là. Donc qui ça qui pour fait pour nous sortir dans situation ça là? On va raison retourner sur question mauvaise gestion que le gouvernement fait ça a fait de COVID-19 là. Côté que nous assister yo cynique non seulement yo prend un paquet d'argent yo investi sous prétexte pour gérer la crise coronavirus là, eh bien, dans la province surtout, même matériel qui minime, d'accord, dit par exemple, un gant pour yo capable faire prélèvement sur mon patient, eh bien, pas une possibilité pour bagaille ça arriver fait. Si c'est pas un patient qui contribue pour le faire. Pendant que le paquet de copes qui sorti là, ministère des Finances, ou bien sorti dans la caisse de l'État, sorti 20 mars pour arriver 29 mai. Donc, nous avons parlé,
comment pouvoir ça son pouvoir qui a nommé son pouvoir de vagabondage un terroriste d'État, la justice bannit dans le pays. Yon décret sorti dans la date 21 mai 2021 qui mande pour ce qu'on va réunir ensemble. Non seulement yon immoral, il y a une question de 4 des malocs qui a préparé. C'est 500 personnes, c'est 1000 personnes qui réunissent dans l'espace là. Ça va dire rien, c'est comme si on est au-dessus de la loi, donc il doit faire ça à l'oblé. Mais aussi, c'est un décret que nous avons dit qui scélérera. Il scélérera dans le sens que, premièrement, il bannit une question de tribunal dans le pays, parce que l'on dit que c'est 5 personnes qui ont réuni. Or, le tribunal de 5 policiers qui ont réuni, pour plus petit, il y a besoin de 7 personnes pour le réunir. Donc, vous fermez le tribunal, vous avez besoin de tribunal, effectivement, vous avez besoin de tribunal. Si nous besoin constater comment le gouvernement ça bat une question de la justice dans le pays, descendre dans le palais de justice en bas pour nous reposer. Depuis environ mois août 2019, depuis fin août 2019, moi-même en tant qu'avocat, je vais descendre dans le palais de justice. Pour qui ça? Parce que si vous avez besoin côté qui gagne un espace d'insécurité, côté gang, vous faites ça à ouvrir, même si vous êtes greffier qui a rentré dans l'espace là, même depuis que vous avez un avocat qui a rentré dans l'espace là, et vous avez besoin d'un comme ça, ou fermer un dent avec un rappel de loi qui doit sortir, etc. Donc, tout ça, c'est pareil qui montre que le pouvoir n'a pas besoin de la justice. Pendant que vous avez parlé là, tout tribunal dans le pays a fermé. Parce que juge en grève, même les strict minimum que juge besoin de fonctionner, il n'y a pas de pour fonctionner. Parce que soi-disant budget, ça a été déjà à mon point, c'est 0,8 euros alloué à ministère de la justice. Pendant que il y a un ministre justice soi-disant qui a fait chantage, qui a fait intimidation sur les citoyens dans le pays. Nous avons commencé à faire des choses sur ça la fois dernière. C'est le ministre qui monte pour une belle chose pour faire acte d'intimidation. Donc, c'est là que le pays est arrivé. Nous n'avons pas assisté à ça nous avons brûlé un état terroriste. Nous avons vraiment utilisé un état fédérateur des gangs armés. Donc, si les citoyens ne pas lever pied, il n'y a pas dit dernier mois avec le régime PHTK. C'est franchement, un jour, qu'il est lié là, presque midi, un jour, là, les gens ont besoin de sortir dans la rue, nous ne pouvons pas sortir dans la rue. Parce que, quand nous avons besoin de sortir dans la rue, ce n'est pas fleur au côté pour nous de sortir dans la rue. Et qu'il y a là, il y a appris que le ministre et que pouvoir bail. Non seulement il y a appris que pouvoir bail, mais en même temps, nous attendons quelque part, directeur général de la police là, mon autre bagage encore, directeur de la police là, qui était plutôt à shooter sur les gens qui dans la police même avec lui. Nous te posons des questions l'autre jour, nous demandons de qui côté monsieur sorti pour venir directeur de la police. On dit monsieur, c'est un monde qui sorti dans la base police pour lui côté de là. Eh bien, il n'y a pas de nous capable de dire l'image qui représente le chef de la police. Ni dans la posture, ni dans la lecture, etc. Il n'y a pas de gagner qui te semble être la police. Donc, c'est la situation ça que nous sommes là. Si toute force progressiste ne pas mettre tête ensemble, pas constituer une unité pour nous renverser ça qui est là, et cette fois-ci pour nous remplacer par un bagage sérieux, eh bien, avenir petit nous, la marche sombre dans le pays. Nous ne pouvons pas faire des malheurs. Merci beaucoup. Nous parlons aussi les petits jobs et nous parlons reproduire la misère. Gonfler pour nous, en nous construisant une société équitable qui n'a pas gagné l'inégalité là-dedans. Donc, un résumé pour nous, c'est pour nous parce que nous sommes en retard. Non, je ne vais pas résumer, je ne vais pas faire.